Voici bientôt un an que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté. L'objectif affiché de Moscou étant la dénazification et le désarmement de Kiev à travers une opération militaire spéciale. Seulement, au fur et à mesure que le conflit avance, on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une guerre de l'OTAN contre la Russie. On en veut pour preuve la militarisation tous azimuts de l'Ukraine par les pays de l'Alliance Atlantique. Cette fusion des forces semble cependant inefficace face à la puissance de feu du Kremlin. Mais pourquoi l'Occident n'arrive-t-il pas à reconnaître son implication directe dans cette guerre? La crise ukrainienne sonne-t-elle la fin de l'hégémonie occidentale dans le monde? En un mot, l'Occident s'effondre-t-il face à Vladimir Vladimirovitch Poutine? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité, première édition de la semaine d'ailleurs, qui nous conduit à parler une nouvelle fois de la crise ukrainienne, puisque dans quelques jours seulement, cela fera un an que l'opération militaire spéciale de la Russie a commencé de ce côté-là. Et aujourd'hui, notre question est celle de savoir si l'hégémonie de l'Occident s'effondre face à Vladimir Poutine. Vos différentes réactions nous intéressent dans le cadre de cette émission. Et vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous suivre sur la 96.3 FM, c'est la radio, et naturellement sur les satellites sur le satellite Eutelsat, voilà, qui vous permet de nous recevoir dans vos petits écrans, et bien sûr Facebook et YouTube qui accompagnent les internautes, sans oublier l'application Play Store téléchargée par bon nombre d'entre vous. Tout ceci nous honore, tout comme la présence de notre consultant permanent, Jonathan Batenguené, qui est avec nous. Joe, bonsoir. Bonsoir, mon frère Bachir Mohamadan, le meilleur journaliste panafricaniste en activité. Bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les combattants avec qui nous réalisons le combat, avec qui nous avançons, nous réussissons à démolir des murailles. Bonsoir à mon éminent copanéliste que vous avez présenté. Et vous le connaissez très bien. Oui, c'est mon frère. Et vous allez de vous délecter de ses analyses. D'ailleurs, je lui tiens un grand coup de chapeau pour tout le travail qu'il a fait. Bonsoir à tous les techniciens, M. Liga, M. Songanik, M. Marius, Foucault, toute la galère, tous les techniciens de For You Media, le personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous sommes toujours attentifs à l'évolution de l'enquête concernant votre collègue, l'assassinat de Martinez Sogo. Nous saluons les enquêtes qui évoluent de manière sereine, mais aussi très rapide. Nous saluons la dextérité du chef de l'État camerounais qui a promis des résultats. Et nous continuons de soutenir l'action qu'il mène dans le cadre de l'assainissement de la vie publique. Donc nous attendons le résultat de l'audit de la ligne 54, 65 et 94, 57, pardon, 65 et 94, les dites lignes qui étaient prévues pour financer l'économie nationale, mais qui ont été le fruit d'une gabegie, ou bien l'objet d'une gabegie organisée par les pontes du pouvoir en place, donc les hommes forts autour de lui, des hommes qui auraient dû l'accompagner dans la bonne marche des affaires. Ils ont voulu se servir, ils ont cru bon se servir, ils l'ont fait avec des réseaux parallèles. Et aujourd'hui, dans un climat tout à fait particulier, le chef de l'État devra évoluer pour assainir cette classe politique. Ce n'est pas facile, nous le savons, mais comme lui-même disait, la vie est faite d'épreuves dans son discours à la jeunesse, et nous savons que cette épreuve n'est pas insurmontable, plutôt de jours lumineux s'annoncent
Donc, nous attendons des résultats de ces audits et nous savons que de ces audits vont découler des procédures judiciaires qui vont permettre de moraliser la vie publique camerounaise. Merci en tout cas pour cette signature, cher Batin Guéné. Le week-end a été très chargé et on espère pouvoir donner le meilleur de nous pour nos différents... Un élément, rapidement. Oui, toujours, nous sommes solidaires de notre frère Nestor Podassier parce que notre frère Nestor Podassier est actuellement encore retenu et nous demandons sa libération dans les prochains jours. Nous savons qu'il y a une médiation qui a été ouverte avec les autorités du Burkina Faso. Nous saluons le travail qui est actuellement abattu pour que sur le plan interne, Nestor Podassier soit en sécurité. Nous attendons que les autorités continuent de travailler dans le cadre de la promotion du panafricanisme. Notre frère Nestor Podassier est une valeur sûre du panafricanisme sur tout le continent et dans le monde. Notre frère Nestor Podassier a tout notre soutien. Peu importe la situation qu'il endure, qu'il sache que tous les panafricanistes sont avec lui. Nous demandons sa libération. Nous pouvons simplement dire aux autorités du Burkina Faso que la junte française ne se privera jamais d'un soutien, peu importe les dérapages auxquels il peut être l'objet. Peu importe la situation qu'on peut lui reprocher au sein de cet establishment. Nous devons soutenir les nôtres dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Notre frère Nestor Podassier a besoin de notre soutien. Nous voulons que les autorités du Burkina Faso lui témoignent ce même soutien, lui apportent ce soutien parce que ces moments-ci, il en a besoin. Il faut qu'il sente qu'il évolue dans un environnement sécurisé, dans un environnement favorable. Il ne faut pas qu'il travaille à peur au ventre. Nestor Podassier, c'est un des garants de la souveraineté du Burkina Faso. Bien sûr, pas en tant qu'individu pris isolément, mais parce qu'il est un leader d'opinion qui apporte toujours sa voix au soutien de la souveraineté et qui accompagne le président Ibrahim Traoré. Et bien sûr, dans cette épreuve, en tout cas, c'est aussi ça la lutte. Souvenez-vous, il s'appelle Mandela Premier. Comprenez bien ce qui se passe. Merci à vous, Jonathan Batin Guéné. Saluons la présence de notre cher géostratège Charlie Kenyi qui est avec nous en ce début de semaine. Charlie, bonsoir, en duplex de Yaoundé. Bonsoir, ma très chère famille. Je salue votre immensité, mon cher ami Bachir. Comme le dit souvent l'un de nos panélistes, vous êtes le meilleur journaliste de la planète Terre, bien sûr, aux côtés de grands autres journalistes avec qui justement vous partagez ce média, qu'est Forview Media. Je salue également cette sagesse, cette matière grise à vos côtés, portée par mon cher frère et ami Jonathan Batin Guéné. Je salue la galaxie panafricaine. Nous saluons également vos techniciens par qui nous pouvons mettre de par le monde. Je me suis légèrement déplacé, vous aurez compris le décor. C'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant à ce festin intellectuel. Merci d'être là, cher Charlie Kenyi, avec vous. On parlait de ce sujet en off depuis le week-end. On s'interrogeait pour comprendre l'évolution de la crise ukrainienne. Beaucoup de choses ont été dites, tantôt pour fustiger, tirer à boulet rouge sur la Russie. Et tantôt, dans le camp occidental, certaines contre-vérités ressortaient de ce côté-là. Et du coup, on a intitulé notre sujet du jour « L'hégémonie de l'Occident s'effondre-t-elle face à Vladimir Poutine ?» C'est à vous la parole. Bien, vous l'avez si bien remarqué, nous avons eu ce débat en off. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une sagesse africaine qui dit que lorsque la nature vous abandonne, elle pose des actes ou alors elle vous amène à poser des actes de nature à vous mettre une balle dans le pied. C'est-à-dire que vos actes sont similaires à la folie. Vous posez des actes pour lesquels vous êtes les seuls à comprendre les actes qui sont posés. Et on a comme l'impression depuis un certain temps que la majorité des actes et des positions prises par l'Occident aujourd'hui concourent justement à cette fin d'hégémonie, à ce fin de règne dont on parlait tout à l'heure. Pour mieux comprendre ça, prenons trois cas précisément. Qui vous souvient que jusqu'à il y a de cela quelques semaines, la communauté internationale, et quand je parle de la communauté internationale ici, je parle de la vraie communauté internationale et non pas la communauté internationale autoproclamée constituée des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale,
mais je parle de la vraie communauté internationale, on avait comme impression que les accords de Minsk de 2015, signés entre le gouvernement ukrainien et les rebelles séparatistes dans le Donbass, justement, avaient été constitués pour justement ramener la paix et la sécurité en Ukraine. Et rappelons que la signature des accords de Minsk 2 en 2015 se sont faits avec des garants. Cela a été parrainé par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité collective en Europe, qui a été également validée par le Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2202 du 17 février 2015, du 17 février 2016. Alors, qu'est-ce que cela spécifie? Cela spécifiait que dans le cadre de la signature des accords de Minsk, il y avait deux garants, côté ukrainien et côté séparatiste, un garant. Les deux garants côté ukrainien étaient l'Allemagne et la France. L'Allemagne de Angela Merkel et la France de François Hollande. Les garants côté séparatiste, il y avait la Fédération de Russie. Or, tout récemment, il y a pratiquement, je crois, 2 ou 3 semaines, on a vu le chef d'État français de l'époque, à la personne de François Hollande, qui justement faisait partie des garants, qui avait pour charge de respecter les accords de Minsk, parce que les accords de Minsk prévoyaient un cessez-le-feu entre le gouvernement ukrainien et les rebelles séparatistes dans le Donbass, mais également les accords de Minsk prévoyaient une autonomie des régions du Donbass. Mais curieusement, ces accords de Minsk n'ont non seulement jamais été respectés par le gouvernement ukrainien, parce que ce soit Porochenko ou encore Volodymyr Zelensky, ils n'ont jamais respecté le cessez-le-feu, mais pire encore, ils ont multiplié les bombardements en direction des régions du Donbass avec la catastrophe humanitaire dont on connaît là-bas, mais qui n'a jamais été mentionnée par les médias mainstream. On parlait d'un peu plus de 15 000 morts, on parlait de 1 500 000 déplacés, mais bon, soit, ce n'est pas ça le débat. Alors, on sait très bien que la France de François Hollande et l'Allemagne d'Angela Merkel étaient garants côté gouvernement ukrainien de ces accords de Minsk. Or, il vous souvient qu'il y a pratiquement 3 semaines, le chef d'État français de l'époque, qui justement était garant de ces accords, la personne de François Hollande, à travers le média actif indépendant, faisait savoir que les accords de Minsk avaient justement pour vocation de tromper la Russie. C'est le chef d'État français qui le dit, François Hollande. Et disons que c'est celui-là qui avait justement la charge de garantir la mise en application de ces accords de Minsk. Mais c'est lui qui aujourd'hui nous révèle que la signature des accords de Minsk de 2015 avait pour vocation de tromper la Fédération de Russie parce qu'il fallait permettre à l'armée ukrainienne de pouvoir se renforcer. Donc, lorsque le chef d'État français le dit, on comprend très bien que dès le départ, l'objectif de la signature de ces accords de Minsk n'était point de ramener la paix et la sécurité en Ukraine, mais plutôt de faire durer le conflit le plus longtemps que possible. C'était ça l'objectif avéré aujourd'hui derrière les accords de Minsk. C'est le chef d'État français de l'époque qui le fait savoir, à mon vision. C'était la première remarque. La deuxième remarque, il y a cela pratiquement une semaine, vous avez l'ancien premier ministre israélien à la personne de Naftali Bennett, qui, dans un média israélien pro-occidental, rappelons que lui-même il est pro-occidental, faisait savoir qu'il était au cœur des négociations parce il s'était porté garant comme médiateur dans le cadre de la résolution de cette crise russo-ukrainienne. Et il dit qu'il était en permanence en négociation avec l'Allemagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis pour justement ramener la paix et la sécurité. Mais il dit que parmi justement permettre à ce que de continuer à ce que nous assistions à des milliers de morts ukrainiennes, d'ailleurs, je crois qu'un sénateur américain le faisait savoir que la communauté internationale est prête, ou alors l'OTAN est prête à se battre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien. C'est un sénateur américain qui le disait. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque ici, il faut faire savoir qu'avec l'actualité récente, on nous parle du sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, mais rappelez-vous que le 28 février, le 28 février 2022, le média français Le Monde titrait que dans le cadre des actes de sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2, que selon les enquêtes préliminaires, il est fort probable que ce soit la Russie qui ait posé cet acte de sabotage. C'est le média français Le Monde qui le dit. Nous sommes là le 28 février 2022. Vous pouvez aller vérifier. Donc, on avait déjà trouvé le coupable. C'est-à-dire que le coupable avait été servi à la face du monde, à savoir la Fédération de Russie, à savoir Vladimir Poutine. Mais comble du sort, à l'heure où nous parlions,
Vous avez un célèbre journaliste américain à la personne de Seymour Hersh qui a été pris, qui a été lauréat du prix Pulitzer, parce qu'il faut le dire, il a été lauréat du prix Pulitzer, qui a fait une brillante enquête dans laquelle il révèle que, en réalité, le sabotage des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2 était un coup d'État des Marines américaines lors des exercices Baltops de l'OTAN au niveau de la mer Baltique. Donc, il dit clairement que ce sont des commandos de l'US Marines américaines qui ont posé ces explosifs qui ont été activés par la suite par les Norvégiens pour justement détruire ou alors pour justement saboter les gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2. Et il fait savoir dans son analyse, dans ses investigations, que c'est un sabotage qui avait été préparé minutieusement à la Maison-Blanche et avec l'aval et les autorisations de la Maison-Blanche et principalement du patron de la Maison-Blanche à la personne de Joe Biden. C'est un journaliste d'investigation américain, lauréat du prix Pulitzer, qui le révèle dans ses enquêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il démontre que c'est le bloc occidental, avec en tête les États-Unis, principalement Joe Biden, qui ont autorisé, qui ont préparé, qui ont planifié et qui ont exécuté les sabotages des gazoducs Nord Stream et Nord Stream 2. Donc vous voyez qu'on assiste ici à une accumulation, autant pour moi, d'événements qui montrent à suffit que nous sommes en train de courir vers une fin de rêve, vers un échec, parce que les événements qui se suivent démontrent à suffit que non seulement cet Occident n'est plus crédible, parce que la guerre, parce que rappelons que le monde aujourd'hui est à un bout justement d'une guerre nucléaire, mais les événements démontrent aujourd'hui que l'Occident a tout fait, non seulement pour que nous y arrivions, mais qu'ils ont préparé, qu'ils ont construit, qu'ils ont financé cette possible guerre qui est en train de se pointer à l'horizon, qui ma foi pourrait évoluer vers une guerre nucléaire, parce que la Russie l'a dit clairement dans ses prises de position, s'il faille aller vers la guerre nucléaire, eh bien elle le fera, parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de civilisation, et elle ne saurait laisser sa civilisation être anéantie ainsi par des suppôts du diable, si je peux le dire ainsi. Donc, aujourd'hui, on comprend très bien que l'Occident, alors cet Occident est en fin de règne. D'ailleurs, je crois que sur leur propre sol, on assiste aujourd'hui à une multiplicité de manifestations de nature à non seulement contester les régimes qui sont en place, qu'on le sait très bien aujourd'hui, qui sont aux ordres d'un certain nombre d'oligarques français, parce que rappelons très bien que les dernières statistiques avec le CAC 40 du côté de la France ont fait savoir que les 40 plus grandes entreprises françaises au cours de l'exercice de l'année 2022 ont réalisé pour chiffre d'affaires pratiquement 180 milliards d'euros. Et au même instant, on vous demande à travers la réforme retraite que ce sont les prolétaires qui vont continuer à cotiser et à travailler beaucoup plus pour continuer à enrichir l'oligarchie. Et cette même oligarchie-là, on refuse justement de permettre à cette oligarchie-là d'également donner un peu sur les bénéfices qu'ils engendrent pour permettre aux États de fonctionner. C'est triste, mais c'est le système dans lequel nous sommes empêtrés. C'est le système dans lequel le Rome est empêtré. Il faut rappeler également qu'il est un système qui émane directement du pays de l'oncle Sam, à savoir des États-Unis, mais qui montre aujourd'hui que les peuples du monde sont en train de se mobiliser à l'échelle internationale. On voit aujourd'hui avec les manifestations en France, pas plus tard que hier ou avant-hier, ils étaient pratiquement 2 millions, voire 3 millions dans toute la France qui étaient mobilisés pour contester justement l'établissement politico-administratif côté français. C'est valable aujourd'hui en Italie, c'est valable en Allemagne, c'est valable un peu partout. Je ne parlerai pas de cet OTAN là où aujourd'hui on assiste à des manifestations demandant à l'OTAN de libérer l'Europe, parce que les peuples libres d'Europe qui justement comprennent le combat que nous menions savent que nous sommes en train d'assister à une fin de règne d'un régime qui, ma foi, n'a que pendant beaucoup trop d'années spolié le monde, spolié l'humanité, et aujourd'hui veulent assister à une destruction de cette humanité-là. Charlie Kenyé, merci en tout cas pour tout ce que vous avez pu offrir à nos téléspectateurs. Je rappelle qu'on peut vous trouver dans plusieurs de vos chroniques, et d'ailleurs vous paraissez dans l'un des journaux qui paraît, je me répète à dessein, qui sera donc publié dans quelques heures seulement
sur le territoire camerounais. Vous nous rappellerez le nom, je crois, c'est l'indépendant, je crois bien. Alors, Jonathan Batengini a écouté Charlie Kenyé. La crise ukrainienne n'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Ça avait été pensé, bien travaillé pour en arriver à ce résultat. Du coup, ma question serait de savoir, est-ce que donc l'Occident s'était préparé à ce qui s'apparente aujourd'hui à sa chute? Ben, ce que Charlie a dit, c'est tout à fait clair. Mon frère Kenyé a dit que ce que les Occidentaux eux-mêmes répètent. C'est Angela Merkel, lors d'une interview en mois de septembre 2022, qui a laissé comprendre que les 8 années qui avaient été négociées, qui avaient les accords de Minsk qui ont permis de gagner 8 années, c'était 8 années de préparation de l'Ukraine. Je crois que c'était Minsk 2, c'est ça? Oui, pour une guerre, c'était en 2015. Donc c'était 8 années pour préparer l'Ukraine à une guerre. Et l'interview que donne Zaloussny, qui est le commandant en chef de l'armée ukrainienne, commandant de l'état-major de l'armée ukrainienne, Zaloussny dit clairement dans l'interview qu'il donne à une chaîne ukrainienne en 2019 que pour que l'Ukraine intègre l'OTAN, il faudra une guerre et il y aura des millions de morts, il y aura beaucoup de morts. Mais c'est un sacrifice nécessaire. Bon, si vous mettez de bout en bout les deux versions, les deux commentaires, les deux propos de ces hauts responsables, Angela Merkel pour l'ensemble du bloc otanien et puis Zaloussny pour la partie ukrainienne. Vous comprenez qu'en fait, c'est une guerre qui était préparée. Elle était même inévitable. Donc, pour ceux qui vont arriver à la conclusion que la Russie a attaqué l'Ukraine, eh bien, ils devraient relire ces déclarations et comprendre ce qui se passait. On ne peut pas vous tendre un traquenard et pendant longtemps, on vous pousse à bout et après, on vous dit que c'est vous qui commencez la guerre. Donc, il y avait une intention de guerroyer, il y avait une intention de créer un conflit dans la zone pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Mais ça encore, c'est des arguments un peu superficiels. Croire que l'Ukraine va adhérer à l'OTAN et que c'est ça qui menace, non. Le truc derrière, c'est que il faut avoir les missiles de l'OTAN tout près de la Russie. Et du point de vue géopolitique, il faut comprendre ce qui est en train de se jouer. Les États-Unis ne considèrent pas qu'ils perdent du point de vue géostratégique. Pourquoi? Avant, l'OTAN avait quand même des frontières un peu éloignées de la Russie, même si sur certains territoires, l'OTAN s'était considérablement rapproché de la Russie, notamment en remontant jusqu'en Slovénie et tous les pays de l'ex-Union soviétique, la Pologne. Mais quand vous regardez, il y avait des zones tampons qui existaient encore au niveau de l'ouest de la Russie, au sud-ouest de la Russie. Vous aviez l'Ukraine. Au niveau de sud-est de la Russie, vous avez la Suède et la Finlande. Mais quand vous regardez aujourd'hui, l'OTAN a progressé, certes, difficilement en Ukraine. Là, il y a une guerre tout à fait claire qui permet à la Russie de débarrasser son flanc ouest de la menace immédiate. Mais en le faisant, l'OTAN a gagné 2 nouveaux territoires, la Suède et la Finlande, qui jusqu'à avant l'intervention disaient être neutres dans cette affaire. Ou du moins n'étaient pas neutres, étaient des alliés de l'OTAN, mais n'étaient pas membres de l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont membres de l'OTAN. Bon, pas membres à part entière, parce qu'il y a déjà le processus qui est très avancé, mais on a les Turcs qui font qui bloquent avec les Suédois. Donc. Mais vous voyez que l'OTAN est en train de gagner 2 nouveaux territoires. Donc, si c'est empêcher l'OTAN, du point de vue géostratégique, on peut dire que l'OTAN a marqué des points. Mais maintenant, du point de vue purement militaire, la Russie, psychologiquement, a pris de l'ascendant. A pris de l'ascendant sur le bloc de l'OTAN. Parce que jamais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a vu un pays tenir tête à l'alliance atlantiste aussi fortement et de manière frontale. Par le passé, par exemple, si on regarde les guerres qui ont précédé,
qui ont engagé les membres de l'OTAN, la guerre d'Irak, la première comme la deuxième, c'était la technique de l'effroi et de la terreur que l'OTAN utilisait. L'OTAN mettait KO ses adversaires. Même si dans le temps, l'OTAN n'arrivait pas à pacifier le territoire, mais parce que ça participe de sa théorie du chaos pour mieux piller les ressources. Donc, l'OTAN avait réussi à utiliser sa violence militaire pour, comme élément de dissuasion globale. La nouveauté, c'est que la Russie a cassé l'image de cette toute-puissance de l'OTAN. Mmh. Psychologiquement, tout le monde sait aujourd'hui que l'OTAN n'est pas la toute-puissance, que les États-Unis ne sont pas invulnérables, que la France, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est des monstres de papier. À tout moment, ça peut éclater s'il y a un pays comme la Russie qui a des missiles hypersoniques. Et donc, vous allez remarquer que ça engage les autres pays qui sont dans une vérité émancipationniste à se doter de ces armements stratégiques qui empêche l'OTAN donc d'avoir la Russie montre un chemin et ce chemin va être emprunté par la par le plus grand nombre de ceux qui étaient avant dans le bloc des dominés. Alors stratégiquement encore il se passe quelque chose, c'est que les États-Unis qui sont à une manœuvre géopolitique et géostratégique. Vous avez peur de l'Europe qui était à la fois un allié, mais un allié nuisible. Parce que l'Europe était un allié, mais c'était un concurrent. Un concurrent du point de vue sécuritaire. La France fabriquait les missiles S-51, c'est des missiles balistiques, comme les Tomahawk. Et la France faisait du commerce de ces missiles dans le monde. La France fabrique les Rafales et les États-Unis fabriquent les F-16, les F-16, les F-22, les F-35 et la France fait son marketing pour vendre ces Rafales à des pays comme le Qatar qui sont des gros acheteurs d'armement. Donc sur le marché de l'armement, l'Europe fait concurrence avec les États-Unis. Sur le marché de l'économie civile, l'Europe fait également concurrence avec les États-Unis. On a vu par exemple Volkswagen devenir le leader mondial de l'automobile. On voit BMW devenir dans son segment l'un des leaders mondiaux. On voit Mercedes qui est le leader mondial de l'automobile de luxe. On voit dans le domaine des appareils électroménagers les marques comme Bosch, comme Siemens. Donc les États-Unis c'était des alliés dérangeants. Il fallait donc casser aussi cette puissance de l'Europe, c'est-à-dire au-delà de la Russie. Donc, dans la manœuvre états-unienne, ça a permis de détruire le tissu économique européen, parce que quand les Européens ont décidé de se couper du gaz, ce qui était une décision tout à fait suicidaire, quand ils ont accepté, parce que quand les États-Unis, c'est sûr que dans les cercles de décision états-uniens, quand la proposition a été faite d'aller sur ces mesures radicales avec les Européens du continent, certainement il y a eu des réticences. Mais puisque les think tanks états-uniens ont dit « Nous contrôlons les centres de décision, nous pouvons donc injecter la décision, nous pouvons injecter. Si les peuples vont se montrer réticents, eh bien, on peut calmer la manœuvre. » Mais ils ont constaté que les relais qu'ils avaient mis dans les centres de décision n'avaient pas une capacité d'analyse qui leur permettait de vraiment comprendre ce qui se passait dans la manœuvre. Donc, eux-mêmes ont tué leur économie. Et ils sont en train de détruire les systèmes de compétitivité de l'euro, y compris dans le secteur de la défense, avec le grand projet qu'avaient les penseurs, les Edmund Kohl, tous ces grands-là, qui pensaient, les De Gaulle, qui pensaient une Europe forte avec une Europe commune de défense. Oui. Donc, maintenant, ce projet vole en éclats. Les États-Unis, par exemple, vous allez voir que les Allemands qui faisaient les hélicoptères, les eurocoptères avec les Britanniques et les Français, ils fabriquaient les Tigres, ils fabriquaient un ensemble de matériel avec les Français. Vous allez voir que, au lieu de développer un système, par exemple, de chasseurs de 6e ou de 5e génération avancée, ils sont maintenant tous en train d'acheter les F-35 Lightning qui ont des problèmes. Leur
Parce que le F-35 Lightning, les experts disent que son aéronautique et un ensemble d'autres technologies ont des sérieux problèmes. Si bien que les experts disent que le meilleur chasseur états-unien, c'est le F-22. Mais les pays européens sont tous désormais alignés sur le projet de F-35. Ils sont devenus les clients des États-Unis. Donc le grand gagnant, c'est les États-Unis dans la manœuvre. Et il y a une déconstruction, donc une déstructuration. Ça va vraiment déteindre sur la qualité de l'industrie aéronautique européenne. Parce que l'industrie militaire porte généralement l'industrie civile. Donc en matière d'avancée technologique, parce qu'on veut toujours avoir des technologies très avancées du point de vue militaire pour ne pas se faire doubler ou ne pas se faire envahir par. Et pas se faire coloniser par une autre puissance. Donc, alors, les États-Unis, grand gagnant, si on peut le dire, du point de vue économique. Oui. Mais pourquoi ces États-Unis, justement, ne vont pas en guerre directement contre la Russie en Ukraine? Quand vous regardez le procédé, les États-Unis ont compris qu'il faut gagner le maximum d'argent dans cette guerre. On fait des crédits qui n'ont pas de sens. Où le territoire de l'Ukraine, c'est la garantie, et puis les Ukrainiens, on leur donne des armes simplement. Et aux États-Unis, ça finance l'économie, ça permet aux industries de bien se porter, aux milliardaires de davantage s'enrichir, et les fabricants d'armes sont toujours en train de se la couler douce. Pendant ce temps, les Ukrainiens sont en train de mourir. Donc les États-Unis se foutent pas mal de la mort des Ukrainiens. Ils se foutent encore pas mal de la mort des Européens, de ce que les Européens font en détruisant leur matériel, en envoyant, la France n'a pas beaucoup de chars Leclerc, mais ils vont envoyer quelques chars Leclerc. Les Allemands n'en ont pas assez, ils en ont 300, mais ils vont envoyer 100 en Ukraine, du moins 14 de la Bundeswehr, puis d'autres qui vont. Donc, quand vous voyez tout ça, c'est des efforts qui arrangent bien les États-Unis, parce que pour occuper l'Europe, il fallait une Europe qui soit affaiblie. Et donc, la colonisation de l'Europe est actée désormais. Cette Europe qui a affaibli n'a plus pour seul sauveur que les États-Unis. Maintenant, il y a un autre élément dans la manœuvre états-unienne qui est pertinent parce qu'ils ont réussi à, ils ont réussi dans leur manœuvre à s'attirer les foudres de l'ensemble des autres peuples qui réclament la liberté. Or, les Européens qui eux-mêmes ont un contentieux avec d'autres peuples qu'ils avaient colonisés, ils sont maintenant frappés d'une double image péjorative dans le monde. C'est-à-dire ancien colon et puis l'hégémone qui ne veut pas partir. Donc maintenant, ils doivent se battre. En fait, les États-Unis savent ce qu'ils ont fait. Maintenant, les Européens se battent pour leur survie. Eux, ils se battent pour leur survie, mais tandis que les États-Unis, eux, ils se battent pour leur hégémonie. Donc, c'est deux combats différents, mais avec deux acteurs du même camp. Sur le même territoire, avec le même prétexte. Avec le même prétexte. Oui. Et vous avez donc les Européens, ils sont là, ils croient qu'ils se battent pour les mêmes enjeux que les États-Unis. Ils ne se battent pas pour les mêmes enjeux. Les États-Unis, pendant ce temps, ils sont en train de négocier aux Philippines pour mettre une base militaire. Ils sont en train de faire pression aux îles Salomon. Ils sont en train de discuter avec les Chinois. Et, oh, les Français, qu'est-ce qui se passe? De plus en plus, les Français sont étriqués sur le plan de... Si on le fait, c'est aussi de manière humaniste. Hein, c'est même bon, pas de manière humaniste, c'est une analyse froide. C'est-à-dire que les Français sont étriqués. En Afrique, bientôt, ils vont libérer tous les territoires et puis c'est fini. Les zones de ponte des ressources naturelles, ça va s'effriter. L'Angleterre, qui elle-même compte sur les États-Unis, cette Angleterre, de moins en moins, se vend à l'étranger. Regardez, aujourd'hui, on ne voyait pas les Anglais dans les actions de marketing. Moi, j'ai vu que les Anglais, désormais, communiquent quand ils ont un petit marché au Cameroun. Mais ça montre que ces gens comprennent déjà qu'ils sont en difficulté. Pourquoi? Parce que l'économie anglaise est à genoux. Quand vous regardez les Allemands, eux-mêmes, aujourd'hui, ils parlent déjà d'augmenter leur budget de défense parce qu'ils sentent que l'affaire est en train de couler. L'Union européenne, ça coule. Les pays comme la Belgique, plusieurs pays européens vont écoper de cette guerre. Donc, les États-Unis, c'est les grands gagnants, mais ils savent que l'hégémonie qui est aujourd'hui contestée, c'est la leur. Donc, eux, ils se battent pour leur hégémonie. Et ils ont associé les Européens anciens colons dans cette affaire parce que les Européens eux-mêmes croient qu'ils sont simplement liés parce qu'on les appelle tous Occident. Donc, ils ne sont pas liés par le simple fait qu'ils soient de l'Occident. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont actuellement. La guerre en Ukraine, et quand vous voyez même le comportement de la Russie dans cette opération militaire spéciale, les Russes, au-delà de frapper l'Ukraine, vont maintenant frapper un grand coup pour
montrer aux autres peuples de la terre que l'OTAN peut être défaite. Pourquoi? Parce que l'offensive russe n'aura plus seulement la connotation de frapper l'Ukraine. Maintenant que la co-belligérance de fait de l'OTAN est actée en Ukraine, la Russie se dit, nous allons leur donner la plus belle leçon de l'histoire. De telle sorte que les Chinois n'auront plus peur d'eux. Les Africains, pris globalement, mais avec des nations particulières, n'auront plus peur d'eux. Et nous aurons maintenant la possibilité même de dire aux Suédois que si les missiles de l'OTAN sont postés sur leur territoire, nous serons encore capables de nous déployer sur leur territoire. Parce que la Russie actuellement, la grande offensive qui est préparée contre l'Ukraine, ce n'est pas une offensive pour conquérir simplement l'Ukraine. Ça sera un grand message passé à tous ses voisins qui aujourd'hui jouent les gros dieux. C'est comme si chacun achetait son Roadrider et la Russie a sa Kalachnikov et dit, lorsque les beaux Roadriders vont sortir, moi je vais les éliminer avec mes Kalachnikov. Donc maintenant, il faut passer un grand message à l'OTAN. C'est certainement dans cette logique-là que la Russie actuellement est en train de se positionner avec 500 000 hommes aux frontières de l'OTAN, 1800 chars aux frontières de l'Ukraine et des armes de dernière génération qui seront testées de manière inédite sur le territoire de l'Ukraine. Merci Jonathan Batenguini. Avant de donner la parole à nos téléspectateurs, je voudrais retourner encore vers Charlie Kenyé. Charlie, peut-être pour accompagner cette question, on a appris quand même de certaines sources que le groupe russe de hackers appelé Killnet a pris possession de toutes les données militaires de la base de l'OTAN en Allemagne. On essaye de vérifier tout cela. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi l'OTAN elle-même ne va pas quand même directement en guerre contre la Russie en Ukraine? Ce qui est vrai, peut-être les informations peuvent fuser un peu de partout. L'OTAN est en guerre contre la Russie en Ukraine. Je puis vous rassurer, aujourd'hui, il est clairement prouvé que la chaîne de commandement ukrainienne elle est conseillée par des experts américains, par des experts de l'OTAN. Il est scientifiquement prouvé que ce soit le commandement terrien, que ce soit le commandement aérien, la plupart des conseillers là, ce sont des conseillers de l'OTAN, principalement des conseillers américains. Aujourd'hui, on sait très bien que le renseignement dans le domaine de l'aérospatial provient principalement des satellites américains. Aujourd'hui, il y a un ensemble d'éléments. Il y a un ensemble d'unités de combat tactiques, que ce soit des véhicules, des blindés légers ou même encore des tanks, qui en réalité sont des tanks ayant assisté à des exercices d'entraînement entre les pays membres de l'OTAN qui ont été retrouvés du côté de l'Ukraine. Il y a tellement d'éléments qui démontrent à suffit que l'OTAN est présent en Ukraine, sauf qu'elle ne le dit pas officiellement, mais les éléments sont là. L'OTAN, elle est présente en Ukraine et l'OTAN combat en Ukraine. Maintenant, pour bien comprendre cette situation, il faut analyser la doctrine militaire américaine. La doctrine militaire américaine, elle est fortement dépendante de la politique étrangère américaine. Et la politique étrangère américaine, elle est essentiellement prévaricatrice et prédatrice. C'est-à-dire que les États-Unis ont l'expérience du passé qui a démontré que par eux-mêmes, ils n'ont jamais gagné une guerre. Ils ont toujours essuyé des défaites et des très lourdes défaites. Ça fait quoi? Ça fait que les États-Unis ne vont jamais en guerre seuls. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez le cas de l'Irak ou le cas de l'Afghanistan, elle a été toujours accompagnée. Et même pire encore, dans la politique étrangère américaine, essentiellement prévaricatrice et prédatrice, quand les États-Unis mènent une guerre avec leurs alliés, entre guillemets, l'objectif, alors l'intention derrière est généralement soit stratégique, géostratégique ou géopolitique, soit économique. La guerre que les États-Unis avec le bloc de l'OTAN ont menée en Irak, on sait aujourd'hui que les raisons c'était pour le pétrole, puisque la plupart des grandes firmes pétrolières américaines, parmi lesquelles le président américain de l'époque, à la personne de George Bush ou encore la famille Bush, aujourd'hui ce sont eux, ce sont les grandes firmes qui exploitent le pétrole irakien. La guerre en Libye, on sait aujourd'hui que c'était pour le pétrole. La guerre en Afghanistan. La guerre en Afghanistan, pour ceux qui ne savent pas, l'une des raisons pour laquelle les États-Unis ont mené cette guerre en Afghanistan, c'était pour l'opium. Rappelons que l'opium aujourd'hui est cette matière première qui est l'une des matières les plus utilisées dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On sait très bien que l'industrie pharmaceutique est majoritairement contrôlée par les firmes américaines. Donc, c'était l'une des raisons qui ont motivé l'invasion de l'Afghanistan. Donc, quand vous avez compris ça, et quand vous ramenez maintenant avec le théâtre ukrainien, vous comprenez très bien que jusque-là encore, ce sont les États-Unis à travers l'OTAN, donc à travers cette alliance-là, qui combat en Ukraine. Mais on ne peut pas le dire officiellement. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a du répondant. Je vous prends un cas très simple. Ce que Jonathan Bating venait de parler tout à l'heure, comme quoi l'intervention russe aujourd'hui a cassé tous les préjugés que le monde, quand je parle du monde aujourd'hui, je parle du monde libre, avait de cet OTAN-là, avait de cet États-Unis-là. Je vous prends un cas très simple. La première utilisation des missiles hypersoniques, la toute première utilisation des missiles hypersoniques par la Fédération de Russie sur le théâtre ukrainien s'est fait dans la ville de Lipsk. C'est-à-dire qu'au début de la crise, la Russie a bombardé un camp de réception et de passage des mercenaires de l'OTAN dans la ville de Lipsk. La ville de Lipsk est à l'ouest de l'Ukraine et à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne. Alors, lorsque le missile, principalement le missile Kinjal, lorsque le missile Kinjal frappe ce camp des mercenaires de l'OTAN, rappelons que c'était une frappe de haute précision. Je dis bien de haute précision. Ça a frappé uniquement le camp. Il n'y a pas eu de pertes civiles. Ce n'est que le camp avec tous les mercenaires de l'OTAN qui ont trouvé la mort. Mais le pire dans ça, c'est quoi? C'est que les radars de l'OTAN qui étaient postés à quelques kilomètres de là-bas n'ont pu voir le tir que 14 secondes après que celui-ci ait touché sa cible. Je précise bien, 14 secondes après que le missile ait touché sa cible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire clairement que la Fédération de Russie aujourd'hui a la capacité aérospatiale de pouvoir détruire toutes les défenses aériennes de l'OTAN et même des États-Unis sans que ceux-ci ne soient visibles, ou encore ceux-ci, sans que ceux-ci ne puissent déployer les défenses antiaériennes de nature à contrer ces attaques-là. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a poussé le chef d'état-major des armées américaines, à la personne du général Mark Miller, de dire à l'établissement politico-administratif américain que les États-Unis ou l'OTAN ne peut pas gagner la guerre en Russie. C'est le chef d'état-major des armées américaines qui l'a dit. Il a dit, l'OTAN, comme les États-Unis, ne peuvent pas gagner la guerre en Ukraine. C'est impossible. Donc aujourd'hui, on comprend très bien que nous sommes dans une guerre d'usure, mais nous sommes dans une guerre politique. Parce que le militaire lui-même ne veut pas s'investir là-bas. Mais puisque le militaire est aux ordres du politique, le militaire agit donc selon la volonté du politique, tout en sachant que ce qu'il est en train de faire n'est que peine perdue parce que la finalité de ce conflit ne saurait être à l'avantage des puissances de l'OTAN. C'est le chef d'état-major des armées américaines qui le dit. Parce que la Fédération de Russie a démontré aujourd'hui quelque chose de magnifique à l'échelle internationale. D'ailleurs, les experts américains le reconnaissent, que dans le développement des armes hypersoniques, la Russie a 10 à 15 années d'avance sur les États-Unis. Et c'est visible aujourd'hui. Et je rappelle que dans ce développement des armes hypersoniques qui est fortement catégorisé, si vous prenez le cas le plus bas, c'est-à-dire qu'au plus bas niveau, le Kinjal, dont je venais de parler tout à l'heure, qui est ce missile hypersonique qui a frappé une base des mercenaires de l'OTAN sans que les radars de l'OTAN puissent voir le missile arriver ou encore puissent voir le missile décoller. Le Kinjal, déjà, à lui seul, fait peur à ces puissances occidentales. Mais quand on vous dit qu'au-dessus du Kinjal, vous avez des systèmes comme le système Avangard, vous avez des missiles comme le Poséidon, vous avez des missiles hypersoniques capables justement de voler à Mach 16, pardon, à Mach 10, c'est-à-dire que pratiquement 6 fois le bruit du son, capables d'embarquer en leur tête des charges duales, c'est-à-dire qu'une charge conventionnelle ou encore une charge nucléaire. Donc, vous pensez que l'OTAN aujourd'hui est dans une logique véritablement de mener une guerre contre la Fédération de Russie? Aucun nom. Le projet derrière tout ça, c'est quoi? Le projet, il est de deux ordres. Premièrement, il est question d'affaiblir la Fédération de Russie. Mais on voit très bien que ça ne marche pas. Parce qu'à travers la multiplicité des sanctions qu'il y a aujourd'hui contre la Fédération de Russie, on a l'impression, d'ailleurs, ce sont les données de Bloomberg qui le disent, que son économie se porte à merveille. Non seulement son économie se porte à merveille, mais on comprend très bien aujourd'hui que la Russie, qui est le pays le plus sanctionné au monde, on parle d'un peu plus de 12 462 sanctions, c'est le premier pays le plus sanctionné au monde venu derrière, suivi
la République islamique de l'Iran avec pratiquement 3 700 sanctions. Mais malgré que ce pays soit le pays le plus sanctionné au monde, c'est un pays qui se porte bien, qui continue à financer son opération militaire, mais qui en plus continue à mener sur le terrain des opérations de nature à véritablement montrer cette puissance militaire qu'on le croit aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses également, on comprend très bien que les capacités militaires russes aujourd'hui, qui pendant des années ont été masquées au bloc de l'OTAN, démontrent à suffit que la Russie n'a pratiquement rien envie au reste du monde. Rappelons que la France aujourd'hui, c'est 400 tanks. D'ailleurs, l'un des chefs d'État, l'un des généraux de l'armée française faisait savoir qu'à l'heure actuelle, il est impossible pour la France de livrer n'importe quel matériel militaire dans n'importe quel théâtre d'opération parce qu'ils n'ont plus, cette capacité-là. Si aujourd'hui, un pays comme la France qui n'a que 400 tanks se veut ou alors se trouve en train de livrer des chars du côté de l'Ukraine, si ce pays-là est attaqué, ils auront quoi pour se défendre? C'est un chef d'état-major, c'est un général de l'armée française qui le disait, que la France n'a pas les moyens de se défendre aujourd'hui si elle est attaquée. Donc, quand vous voyez à côté de ça, un pays comme la Fédération de Russie à lui seul, en son sein, possède 2 700 tanks. On parle de pratiquement 20 000 parce que récemment, il faisait savoir que l'industrie militaire russe était capable par jour, je dis bien par jour, de produire pratiquement 100 roquettes. Ça dit bien 100 roquettes. Ça, c'est les déclarations des experts, des spécialistes du côté de la Fédération de Russie. Donc, on comprend très bien que les schémas qui avaient été pensés par l'Occident sont aujourd'hui en train d'être démantelés par le bloc de l'Est conduit par la Fédération de Russie. Parce que, comme je le disais tantôt, ce qui était prévu, c'était quoi? C'était de mener cette guerre du jour contre la Russie pour déjà l'affaiblir ou encore procéder à un démantèlement de la Fédération de Russie. On voit très bien qu'aujourd'hui, le projet de démantèlement de la Fédération de Russie, c'est impossible, ils l'ont compris. Alors, qu'est-ce qu'il reste? C'est mener cette guerre du jour, parce qu'on sait très clairement qu'on ne va pas le gagner. C'est la raison pour laquelle, dans cette dernière parade offensive qui est en train de préparer par la Russie, c'est une question de démonstration de force. Et Jonathan Battin-Guenet vous faisait savoir tout à l'heure. On vous parle de 500 000 hommes qui sont mobilisés. On vous parle d'un peu plus de 1 800 chars qui sont mobilisés. Mmh. Ça veut dire clairement que la Fédération de Russie est en train de les faire comprendre que je crois que le jeu a assez duré, il est temps de passer aux vraies choses. Mais c'est également un signal à la communauté internationale de comprendre que cette invincibilité de l'OTAN ou alors cette invincibilité des États-Unis est finie. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, quand on voit la tournée du leader ou alors du chef de la diplomatie russe sur le sol africain, c'est de nature à non seulement tisser les accords, mais de plus à préparer le prochain sommet Russie-Afrique qui, je puis vous le rassurer, va se clôturer avec de nombreux accords de coopération, de nombreux accords commerciaux, mais de nombreux accords en termes de transfert de technologies qui vont justement mettre à mal ou alors qui vont sonner le glas de l'hégémonie occidentale et de l'hégémonie américaine à l'échelle internationale. Merci Charlie Kenyé. Au téléphone donc, alors on a déjà calé 3 appels. Allons-y avec Mohamed de Londres qui est le tout premier. Mohamed de Londres, bonsoir. Salam alaykoum, bonjour. Alaykoum salam. Bonjour à l'oncle Jonathan Battin-Guenet. L'oncle Joe. Bonjour à Charlie Kenyé, que j'ai la chance de saluer aujourd'hui et d'encourager. Mes encouragements aussi à Jonathan Battin-Guenet, naturellement. Lui, régulièrement, il a ça. Il a mes encouragements, mon soutien, mon support, ma bénédiction, tout ce qu'il faut. Et que Dieu l'entretienne, que Dieu le supporte, que Dieu le protège. À vous tous aussi. À tous les techniciens et aux fondateurs de la chaîne. Bon, et ben si, avant que je ne commence, permets-moi de m'insurger contre l'arrestation de notre frère Nestor Podassé au Burkina. Je m'insurge contre cette arrestation arbitraire et illégale. Vraiment, c'est triste que nous remarquions que les impérialistes, les forces obscures, utilisent les nôtres pour agir contre nous. Ça a toujours été comme ça et ça continue. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. C'est triste. Je m'insurge et j'interpelle les autorités burkinabè à vite
relâcher mon autre frère. Sans condition. Sans condition, bien sûr. Personnellement, moi, à partir de maintenant, je ne supporte plus le gouvernement burkinabé. Ça, c'est moi. Personnellement, je ne supporte plus ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui est encore sous influence endocoloniale. Il y a les endocolons et on remarque que la France peut encore tirer les ficelles au Burkina. C'est dangereux. J'interpelle pour finir le président du Faso de faire très attention. Il n'a qu'à faire très attention parce que je ne pense pas qu'il soit pleinement en sécurité. Il n'a qu'à faire vraiment attention à sa sécurité et à sa personne. Après cela, Bachir, je dirais sur le thème d'aujourd'hui, tout ce qui est développé par les deux panélistes, il n'y a rien à signaler, rien à ajouter. Sinon, que moi, j'aimerais répondre à ta question. Pourquoi les États-Unis, à visage découvert aujourd'hui, ne peuvent pas affronter la Russie? Donc, ma réponse est claire et simple, c'est la couardise. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est la couardise. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne continuation pour l'émission. Bonne suite pour le programme. Je vous remercie et Inch'Allah, à demain. Salam alaikum. Merci à vous également, Mohamed, depuis Londres. Au téléphone, Lamine Diop, depuis Genève, en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de For You. Et puis bonsoir à l'ensemble des panélistes qui débattent aujourd'hui. Disons que, essayons de reprendre d'après ce que disent les panélistes et d'après votre question, monsieur Bachir. Est-ce que l'échec de cette guerre américaine par procuration en Ukraine est-il la preuve du déclin de l'hégémonie occidentale sur l'escarcelle américaine? Je pense que oui. Et j'irai plus loin, que cette énième guerre en Ukraine, produite par les États-Unis et cet impérialisme américain de trop, qui ont effectivement fait prendre conscience au monde hors Occident que ce discours sur le déclin de l'hégémonie américaine n'était pas un simple fantasme, mais une pure réalité. Effectivement, c'est une réalité à travers la crise ukrainienne. Ensuite, je comprends que pour certains occidentaux et leurs serviteurs en Afrique noire, tels que des drames en Ouattara ou autres, ça puisse être un fantasme, parce que ça procède de leur logiciel qui est un obsolète logiciel impérialiste progressiste. Évidemment, le logiciel des impérialistes progressistes, c'est un logiciel idéologique. Si le réel leur donne tort, c'est le réel qui a tort. Et leur logiciel a toujours raison. Ils ont droit de tuer et de disloquer des nations entières et les preuves sont là. Vous savez, ces gens-là ne veulent pas entendre parler de déclin hégémonique ox-américain parce que déclin, ça veut dire que le logiciel, leur logiciel n'est pas fiable et efficient et il faut tout jeter à la poubelle. Or, si on élargit un peu l'historiographie du prisme civilisationnel hégémonique mondial, on voit que les hégémonies civilisationnelles naissent, font un moment d'acmé et disparaissent comme celles de l'Empire romain ou l'Égypte pharaonique, etc. Donc, les civilisations hégémoniques disparaissent et celles de l'Occident obéissent aux mêmes lois que ceux des civilisations, que ces civilisations passées. Seulement ici, avec la crise ukrainienne, Joe Biden, par arrogance irréaliste, a déclenché la décélération de cette hégémonie occidentale. D'ailleurs, ça devient plus précis quand on voit la guerre en Ukraine où tout s'effondre morceau par morceau, pierre par pierre, et là, d'un seul coup, ils parlent tous désormais, tous d'un nouvel ordre mondial, comme lors de la conférence ou du sommet de Davos. Cela montre bien, mon cher Bachir, que cette hégémonie américaine ne pourra guère se sauver de sa propre guillotine en voulant s'attaquer de manière malsaine à la Fédération de Russie. Alors, il est à noter qu'aujourd'hui, la prochaine décennie devrait être une période d'écrasement de l'hégémonie brutale américaine. Bien entendu, le titre de combattant pour la justice que les États-Unis se sont approprié pour s'assurer le soutien de leurs alliés et partenaires a été maintes fois démenti par la réalité. De plus en plus de pays commencent à réaliser que le soi-disant ordre mondial est uniquement le produit de la domination américaine pour protéger les intérêts américains. Par exemple, dans le conflit russo-ukrainien, Washington appelle l'Europe à faire constamment pression sur la Russie et d'autre part lance une concurrence féroce visant à détériorer l'économie européenne. En conséquence, la crédibilité des États-Unis auprès de ses alliés et de la communauté internationale continue de décliner, tout comme son hégémonie qui se fait remplacer pour un autre ordre international fondé sur des règles égalitaristes
et non basée sur la juridiction de Washington aux armes longues. Merci, belle fin d'émission, à bientôt, ciao. Et à bientôt, Lamine Diop. On prend Sidi qui nous appelle du Bénin. Sidi, bonsoir. Bonsoir, Jonathan Batengene, Laurent. Bonsoir, mon frère, Khalid, l'infatigable, et mes considérations distinguées à Bachir Ladin, le meilleur journaliste de l'histoire. Permettez-moi, Bachir Ladin, de louer les compétences de Nestor Podacier et de demander par la même occasion sa libération sans condition. Ah, les ennemis du Burkina Faso sont à l'œuvre pour nous mettre à côté de tirer contre Ibrahim Traoré, que nous aimons si tant. Maintenant, c'est à lui de, comprendre que c'était un piège pour se soustraire de cette entreprise maléfique qui risque de l'emporter s'il était en concubinage incestueux avec les ennemis du peuple. Après que je suis bâché, revenons à notre thème du jour. L'effondrement de l'Occident n'est plus à démontrer, Bachir, premièrement. Bachir, l'Occident n'est plus audible partout dans le monde, et particulièrement en Afrique, autrefois, la poubelle informatique. Deuxièmement, l'Occident n'est plus fait, et possible. Et ne vend plus, mais exister sur la scène internationale. Dois-je vous rappeler comment un gosse au Burkina Faso a défendu une zone espion français? Troisièmement, Bachir, grâce au vent de Poutine, le coq français n'a plus de secret. En Ukraine, Poutine a détruit tout le monde occidental et américain. Car ce qu'il cherche aujourd'hui à négocier avec des questions autrefois, je dirais qu'on a une rouge. Plus personne ne veut s'armer en Occident, Bachir. Mais tout le monde veut s'armer en Russie. Par ailleurs, Bruno Le Maire nous a promis que l'économie russe s'effondrera à Bachir. Mais aujourd'hui, le FMI, institution financière occidentale du monde, vante les prouesses et la bonne santé de l'économie russe Bachir. Là aussi, ça n'a pas marché. En conclusion, Bachir Ladin, l'hégémonie occidentale n'est qu'une affaire du passé. Tant pis pour ceux qui sont là qui sont unis. Maïtra, la Russie aujourd'hui, avec la confirmation de la destruction des gaz publics, Nord Stream 1 et 2, par les journalistes américains, qui va encore courir à l'Occident, Bachir. Encore, que souvenez-vous qu'ils ont volé les avoirs de la Russie, ce qui avait fait fuir les erreurs de l'époque. Donc, franchement, Bachir, ma souveraineté se fondrait. Si pas la confiance et la morale, on ne saurait ne trouver une solution. Pour finir, Bachir, il y a un proverbe bâtonneau du bonheur qui dit: il est inutile de se mirer après avoir mis un bâton dans un médecin d'abeilles. Ils ont cherché avec la Russie, ils ont trouvé qu'ils supportent. Bonne suite d'effondrement à l'Occident. Merci à vous, Idi. Bon suite d'effondrement à l'Occident. Merci en tout cas, Sidi. Alors, prenons deux derniers appels avec la complicité de Ntokam à la réalisation. Alors, nous avons Abou d'Angleterre, ensuite Jean Sakponou. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère Bachir Ladin. Mais c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Et je salue les deux lions intrépides, Charlie Kenny et Jonathan Batengene, tous les techniciens et les appelants. Bachir, permettez-moi une parenthèse avant de répondre à la question de ce jour. Nous demandons à la justice burkinabé de libérer le combattant Podacier sans délai. Nous, les panafricanistes, nous disons que si il avait que le champion Podacier n'est pas libéré, le nouveau régime va perdre toute sa crédibilité et nous allons le combattre jusqu'à à la dernière goutte du sang. Je ferme la parenthèse. À
En ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, de savoir que les États-Unis ont perdu l'hégémonie devant la Russie, mais il est clair, Bachir, que les États-Unis ont perdu l'hégémonie devant la Russie parce que nous voyons qu'en Ukraine, les États-Unis, ayant peur des Russes, font une guerre là-bas sans vous aller combattre sur le terrain. Ils envoient les Ukrainiens aller se faire massacrer et eux, par derrière, il ne faut que tourner leur industrie d'armement. Vous comprenez? Donc, nous avons compris que avec la banque BRICS, le dollar va perdre son hégémonie, alors que qui dit dollar dit les États-Unis. Et nous voyons que les États-Unis ne vont jamais aller sur le terrain pour combattre. Alors, tout ce que nous voyons, nous voyons la fin de l'hégémonie américaine, parce que sur le plan même du marché mondial, la Russie et tous ses alliés sont plus nombreux que les Occidentaux. Vous comprenez? Et nous disons encore que dans le bloc occidental, les dédos de la face, ce sont les Européens, parce que, et en l'occurrence la France, parce que la France n'a rien, et la France va perdre l'Afrique, puisque nous on va aller s'allier à la Russie. C'est clair que les États-Unis ne pourront pas tenir la ligne jusqu'à la fin de ce siècle-là, ce combat. Donc, il est clair que les États-Unis ont perdu l'hégémonie par tous les signaux que nous voyons, tous les indices devant la Russie. La Russie actuellement le vent en poupe, puisque avec les banques BRICS, il aura la création monétaire en Afrique et il aura la chute du dollar qui faisait la force des États-Unis et encore le marché d'armement qui faisait la force des États-Unis. Donc la Russie a le vent devant prend un nouveau ordre mondial qui sera avec la Russie devant et la Chine. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye for now. Merci Abou d'Angleterre. Et le dernier appelant, c'est bien sûr Jean Sacpono. Bonsoir Jean, depuis les États-Unis. Bonjour Charlie, bonjour technicien, bonjour à tous ceux qui écoutent For You Media. Oui, merci Bachir pour cette opportunité. Et oui, la question est tellement grande. Développement, vos invités ont déjà fait assez de développement. Bachir, n'oubliez pas que ce que nous vivons en Ukraine, on l'avait déjà dit sur les deux médias panafricains, c'est le problème, c'est-à-dire c'est un programme établi par les mondialistes, les satanistes. Et ils ont commencé par l'intimidation, par l'imposition, vous voyez, donc le vaccin et autres, donc les laboratoires qui étaient en construction, en pleine construction en Ukraine. Et la Russie savait tout. Elle se préparait. La Russie n'attend pas aujourd'hui pour se préparer. Elle se préparait depuis longtemps pour faire face à cela. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Charlie Kenny, tu dis que le général américain a dit que l'OTAN ne va pas gagner. Non, ne les écoutez pas. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Des roubleurs. Ils vont vous faire dormir pour vous frapper. C'est ce qu'ils font avec nous depuis le temps. Ne les croyez pas. N'utilisez même pas leurs mots. Analysez vous-même la situation et voyez ce qui est possible à dire. Ne les citez pas comme référence. Si ça ne veut pas gagner la guerre, pourquoi ils continuent de fournir des armes à l'Ukraine, de l'argent, tout à l'Ukraine? Pourquoi? Non, ne les écoutez pas, c'est comme ça le système occidental. Qui est l'Occident? Depuis la nuit des temps, c'est l'Occident qui sème le feu sur la terre, qui gouverne la terre. C'est le diable. C'est l'ennemi de la paix sur la terre. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? L'Amérique qui, elle aussi, au début, subissait les pressions de l'Angleterre, qui s'est libérée, mais s'est redorée ce blason-là pour pouvoir effectivement gagner et dominer le monde. Les problèmes que nous subissons, nous les Noirs dans ce pays, nous subissons le racisme. Moi, je le dis clairement. C'est pas peur de le dire. Nous devons continuer à nous battre pour que la valeur humaine, la valeur, la race africaine ici soit reconnue et recommandée. Si nous voyons ces Noirs qui sont dans les choses là, vous voyez même l'arrivée de Joe Biden, c'était préparé comme ça, pour que lui soit là, parce que c'est lui qui se semble être chez Américain. Il est venu, il est anéanti, spirituellement il est anéanti, il est tombé plusieurs fois, puis il est complètement anéanti.
C'est pourquoi ils ont triché, ils ont volé l'élection. Pour que leur plan continue. Mais il y a un plus grand que eux, le souverain Dieu, qui a le dernier mot. Ils se font aujourd'hui humiliés. Ils ont honte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Faut-il cesser? Faut-il continuer? Ne les croyez pas ce qu'ils disent. Ils ont honte. Ce n'est pas normal qu'on arme l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas humain d'ailleurs. De commander l'Ukraine de continuer la guerre, ça c'est ce qu'on appelle démoniaque. On tue les gens. Ils sont conscients que les gens meurent. Mais eux, ils ne meurent pas. Eux, ils ne meurent pas. Mais il faut tuer les autres. Alors, Bassi, qu'est-ce que les Africains doivent faire? Ceux qui prétendent diriger l'Afrique aujourd'hui doivent savoir que nous faisons face à un moment où, soit. Merci en tout cas, Jean-Jacques Pono. Vous l'aurez compris, on reprend l'antenne pour mettre un terme à cette édition. Certainement, notre sujet reviendra au courant de la semaine. Merci à toutes et à tous, et surtout à Charlie Kenyé, Jonathan Batengene et à ceux qui nous ont appelés et écrit. On se retrouve dans demain pour le même programme, Inch'Allah. Pendant ce temps, patientez pour suivre le grand journal de Foyou. Appelle maman. Viens à la clé.